Alors, dans les années 2000, moi je vais commencer comme ça parce que c'était là que moi je les ai connus, cette génération qui nous a inspirés, ils étaient nombreux, mais il y avait à sa tête une personne qu'on aimait bien parce que c'était un personnage unique, d'abord dans son style, dans sa manière de rapper, de chanter, et puis la contenance des textes même, ça vous fait penser à... Mais qu'est-ce qu'il veut faire de la musique togolaise? Est-ce qu'il vient pour révolutionner? Est-ce qu'il va cut everything? Anyway, j'adore ce personnage qu'on va recevoir aujourd'hui. On est en mode hip-hop old school! Yes, yes, yo! Yes, yes, yo! On vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes avec nous ce matin, ça va être 1h15 d'émission avec notre personnage. Nous partons dans sa découverte, comment il a vécu, comment il a géré tout ce qu'il est sur le parcours. Ça n'a pas été un parcours facile et d'ailleurs, il est toujours dedans. Mais il continue par nous faire des surprises parce que récemment, il est passé aussi auteur. Attention, de qui est-ce qu'on parle? Un grand artiste, un grand rappeur, un grand compositeur, un grand musicien, un grand ouf. Un grand gars, un grand politicien aussi, applaudissez quand même. Aïe, 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 aïe. Bon, vous vous demandez où est-ce qu'ils sont les gars. Mes gars, ils sont déjà là. Hein. Je vais les appeler un à un. Ils vont arriver ici. On est en style. Yes, yeah, yo, les gars. Linus National International avec des applaudissements. Hey. Aïe, ma poula, on te l'en va l'eau. Et n'y a si pas n'y a, il n'est déjà beau mi-bo. Sine vos sorts, sorts, l'olant les wons. Blé, blé, nous. Vivi les vévé, mais azea. Non, ma yare, ago ma ilo. On te l'en va l'eau. On te l'en va l'eau. On te l'en va l'eau. Pourquoi je dis bonjour Linus? Bonjour. Yes, yes, yo. Checky, 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 yo. Give me five, how are you today? Oh, like this, so... bon, c'est pas grave. Hein? Ça commence comme ça. D'une manière ou d'une autre, c'est ça. Hein? So, this day, qu'est-ce qu'on fait? Dans les années 2000, oh. Tu étais où? Dis-moi. T'es fraîche, hein? Merci, mais tu es encore plus fraîche. Old school, non? Mais toi, ton old school est revisité façon... Excuse me. I'm in. Thank you. Doucement, so, hein. J'adore tes lunettes. Oh, mais merci. Oh. J'ai perdu la mienne, c'est pas... Non, c'est pas ça, merci. Je suis sûre de toi. Très sûre. Linus, hein? Bon, OK. Alors, vous avez déjà vu la sable de Linus? Original, hein? Original baby. Oh, thank you. Applaudissez, my original baby. Guys. Yeah. Il y a une deuxième personne, elles vont être deux à arriver. Je veux inviter deux personnes sur ce plateau. On va juste recevoir Menteur Ambulant et Yes, yeah, yo, Joël Missy, beaucoup de musique. Mi a ma dengo doa et roule to podo et tricodo boto boto da tubo et gamofion et won hanya kene me be mai e diade dabo mi a ja grand li e dilanti de comme aye wo yobe mi sa kone ku nous so be si koti vo yo aye le même la bebe ho son et la tonon to da bosne donc on a pas so bané la pas mais ma goussi o ko si wa vite den non mi no de bien a be sukulu vi kene e den moule o to na tata mo yina de sukulu ha kon a merci pour toi. Tu as quitté quelle Amérique en fait? Parce que je ne sais pas, ton Amérique est différente de... Ok, bon, installe-toi. Tu as quitté quelle Amérique? Yeah, man. Yes, sir. Yeah, man. You know, l'enfant là, je l'ai remis le micro en 96, vous savez.
Black nigga. Est-ce que tu peux dire ça en anglais qu'on voit un peu? You know, this boy, I give Mike a... Yeah. Oh, cool, oh, Jesus. Mais, you know, man. What? I love your English, guys. Oh, bro. Very good. Ah, doucement, non, c'est quoi ton anglais, ton américain? Des vieux. Et Petro. You have to yes. go to English, Des vieux, mais Petro. Yes, Ali Jays. One for love. Ali Jays Kudo, pas mal. Ouais, pas mal. Pas mal. Si Goviare. Ça, si Goviare. Blah, 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 blah. Tiens, si Goviare. Oh, ça, si Goviare derrière. Double flag. Oh, pas mal. Rock. Ali Jays, c'est pas mal. Yes, pure. Comment tu fais les choses comme ça? Non, 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 pas mal. Comme ça, même. Bah, on titre à la vieille fille. Ali Jays, one for love. Pas mal, et on les Sigovia le bout de la. Oh, Sigovia la love, madame. Black and white. Bien, Mingma les bouts, ma jamon. A jamon foya ou nam. M'talo. A jamon foya ou nam. M'talo. Nere menya, menye mon follow. Merci, asseyez-vous. Bon, alors, ils sont où les autres? Parce que Jerusalem. Hi, American nigga. Do you see the style? Est-ce qu'on peut remettre la musique parce qu'il y a mon ex unique et idéal Jerry Wisdom à l'avant qui arrive. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Hey, hey. Kilimanjaro au fond de la classe. Musique. Ça arrive avec des applaudissements bien nourris. Recevez A.K.A. Kilimanjaro au fond de la classe. Hey, on y va. On t'a quoi? Tu as privatisé l'émission? C'est pour toi, tu danses World, voilà, World, c'est quoi? Hein? Bon, il reste ici. Il manque encore une personne. Je ne sais pas. Est-ce que lui, il était là? Truc. Est-ce qu'il a sauté les années de sa naissance pour tomber gras? Je vois, qu'est-ce que tu as à dire sur ça? Il y a une personne qui... Je ne sais pas si Yannick a vécu. Hein. Il a traversé. Il a traversé la vie. Yannick, est-ce que tu as connu les années 2000 où on t'a fait grâce? On t'a fait grâce de ça? Ah. Mais viens quand même. On va mettre la musique pour Yannick. Avant l'air, va dire sans père, sans fils, toi un vieux d'arrêt, et franc, ouais, vieux à des sons, va des yé les milliards, va trop mille et les asia, soukoulou, vi que chani là, le conavano ou un écho. Dodo, aïe, ma coula, on toi l'en va l'eau, on toi l'en va l'eau. En fait, souvent, quand les gens ils nous regardent, ils pensent que nous, on est des années dernières. Non, on vient de loin. On vient de loin. Après, on fait beaucoup de sport, on se conserve. C'est pour ça qu'on est très jeunes. Sinon, si, attention, on était dans les studios avec Eric MC. Yo, 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 yes. Yeah, 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 vous yeah. doutez
Vous jamais, doutez. Jamais. Si vous doutez, you know. Je vais vous le faire en même temps, hein, sans sucre, sans sel, à chaud. Ouais. Tu blagues avec moi? Sans sucre, sans sel. Tu blagues avec moi? Non. C'est mieux pour toi. Bien. Bon, maintenant, officiellement, bonjour tout le monde. Bonjour, Josiane. Ah, ben, quelle entrée. Bien. Émission spéciale Eric MC. Mmh. C'est toujours avec beaucoup d'honneur qu'on le reçoit ici. Mmh. Et aujourd'hui, nous allons fouiller au tréfonds de notre invité. Mmh. Il a des choses à vous dire. Vous avez des questions pour lui. On en a recueilli, mais il y en aura également pendant l'émission. Mmh. N'hésitez pas, vous êtes ici chez vous. Et l'Inus National a toujours ses 5 questions choc. Madame. Alors, on l'avait reçu déjà, hein, Eric MC, mais cette fois-ci, ce sera différent. Différent, justement. Parce qu'on va aller un peu plus au fond, d'accord, de ce personnage. Et aujourd'hui, c'est sûr que vous allez partir de... Enfin, en tout cas, devant, vous allez quitter votre siège en apprenant quelque chose de nouveau sur Eric MC. Exactement. Donc, restez câblés. Elle a apprécié, Amen. Yes. On va passer le micro à AKA également parce que Kilimanjaro, dans les années 2000, est-ce qu'on faisait du sport comme ça? Est-ce que quelque chose a changé? Je ne sais pas. Yo, quoi. Mais d'abord, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Checky, Kilimanjaro au fond de la classe. Et je vous dis, moi j'ai rappé. 166 000. Tu as rappé. Moi, je suis d'accord avec toi. Fais-leur un petit flow, voir vite fait, parce qu'ils jouent les gars. Mais la pause, même ça m'est jolie, première béna. Oh, c'est bénou, y'a mis toi, dis-moi, va notre cueille. La pause, elle est pour tous les yeux, quand y'a l'olé, comme y'a d'eau. On y a levé les mille, nous y'a des milliers, wawa. La pas mic banatonne, mais ça m'est banatonne. Océane, quand y'a les moi, mais t'as l'olé devant Konya. Oui, si les filles, t'as l'olé, est-ce qu'on l'a devant Konya? Eric, comme si la ouais, mais t'as l'olé devant Konya. C'était trompé, hein? Excusez-nous, parce que des fois, on souffre comme la nuit. En vrai, vrai, Eric MC, c'est lui. Ici, hein, c'est... Joël, c'est lui qui attrape la bouteille de celui-ci. Voilà, c'est comme ça que ça doit se faire. Bien, avec notre invité. Avec notre invité, aujourd'hui, on va parler sport. Oui. On va voir ce qu'il fait en matière de sport, s'il aime le sport togolais. Il est bien conservé. Je te promets, depuis un bon moment. Donc, on va voir tout ça tout à l'heure avec notre grand Eric MC. Ok, d'accord. Merci beaucoup, John. Alors, Monsieur Yannick, on voit un micro de l'autre côté. Eric MC, est-ce que tu sens qu'il est un bon mangeur? Est-ce que nous n'avons pas plein? Je ne sais pas. Est-ce que j'aime moi? Non, mais c'est possible. Après, il faut manger. Après, il faut manger. Quels que soient nos efforts, on mange toujours. Donc, mais aujourd'hui, pour Eric MC, on prévoit un peu des questions. Mm. Puis on va faire le tour du domaine culinaire. Essayer de connaître Eric MC un peu dans ce domaine-là. Oui. Et voilà, on va apprendre ici et à la maison aussi, on va apprendre de lui. Okay. Voilà, avec toi. En tout cas, ce sera tout à l'heure. Bon pause diète. Et maintenant, on retourne le micro à Monsieur Cinéma. Tu étais pas mal dans le rôle d'Eric MC. Mais tu sais quoi? Calme-toi. Ça c'est comme une crise épileptique. Ça n'a rien à voir avec le hip-hop. Hein. On dirait qu'il fait une crise d'épilepsie ou je sais pas, un truc. C'est pas bien du tout. Hein, le rôle d'Ali J, c'est ça? Ah ouais. Bon, c'est vrai que vous avez à peu près le même teint. Il va faire Dobben Flaze. Je vais rapper. Joël, pardon, je t'en prie. Non, vas-y. Mac, non, moi, j'aime le défi, là. Mac. Joël. Non, Joël, écoute. Joël, pardon. Jojo, my man. Yo, nigga, take Mac, my side. Mac. Matak, tika, vike, dominika, de panique. Écoute bien ce fort qui pique la lèpre de l'image. La lettre dans le sexe, elle était occupée à que du PQ, car lui piquait le pacifique. Mais bon, c'est vrai. Yeah, man, tu crois que quoi? Tu rappes. C'est le rap de la maternelle que tu nous ramènes. Mais tu rappes quand même. Merci, on va applaudir Joël. Bien, il rappe. Bien. Allez, maintenant, on va se concentrer. Je ne savais pas comment on les implorait, les entités. Avant, anyway, les entités, même sont en mode hip-hop today. Donc, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. You know, Yama.
Donc je disais. Aujourd'hui, nous fêtons bien sûr les Allemands au bain. Sur le calendrier grégorien, en pays V, ça y est, Koku, Aku. Et en pays Kabia, c'est le Tilalo, Tilabalo. Mais pour la prière d'insérer d'aujourd'hui, vous allez découvrir quelque chose de grand avec Eric MC. Mais qui de mieux pour nous en parler des anniversaires, si ce n'est Laura. Bien sûr, après le jingle, Visa. Nos gars également des années 2000 et même avant sont déjà connectés. Est-ce qu'on peut applaudir nos téléspectateurs? Yo, man, you are the best. Today you are the best. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Vraiment, vous êtes très bien habillé, mignon. Un grand coucou à ma coépouse, Madame Linus. Attention, en tout cas. Ta coépouse. Madame Ouvrière. Ouvrière, il a une autre copine. À quel moment qu'on voit aussi l'Ouvrière. C'est pas cool. Ouvrière, là, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas clair sur lui. Ben oui, bien sûr. Il ne faut pas nous envoyer dans des problèmes. Ah, mais dis donc. Mais quand même, c'est Olga depuis Cotonou qui dit toutes mes félicitations à vous car vous préparez bien votre émission. Je vous adore. Merci. Merci beaucoup. Allez, Canada Shout. C'est gâté. Alors, les gars, vous êtes les meilleurs. Merci. Je vous aime trop. Océane, tu es l'animatrice, pas possible. Que Dieu te protège pour nous. Merci. Oui. Merci infiniment. Je vous envoie de gros bisous également et on applaudit encore. Oh. Gros bisous. Coucou la pause. Salut. Vraiment, aujourd'hui, vous êtes chaudés. Yeah. Mais c'est quoi votre secret? Je veux être comme vous. Bah, écoutez, il faut mettre un gros pantalon. Aïe. Un grand trois épices. Ça boulet. Aïe. Avec beaucoup d'eau. Voilà. De tes, les trois épices, c'est ça le secret. Hein. Bien. Alors, avec ton style d'habillement, je te jure, je serai riche. Oh. Faut pas faire les créanciers, vont commencer à m'envoyer ça. Mais je vous envoie un gros bisou, Véronique. Depuis Calavi, Tampoué, c'est toujours au Bénin. Et les Béninois, ils sont bien connectés aujourd'hui. Bon temps, coucou la famille. Salut. C'est Ange Baron, Dimoussa Altine. Comment allez-vous ce matin? Ça va super bien. Validez votre habillement, l'unique mannequin à Louis Vuitton. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Merci vous êtes gentil. Félicitations, la pause aujourd'hui est spéciale et j'ai beaucoup adoré. Thank vous êtes tous. So waouh. Gros bisous à toute la belle équipe. Merci. Vous êtes plus mignons que les 7 plateaux d'Attaque Bamé. Faut pas faire les entités. Let me wear my glasses right now. What you are saying don't concern me. Please let me be here. Yo, yeah, you know now. Bon, mais quand même, il faut dire que Attaque Bamé même, c'est la région des plateaux. Mais c'est des 7 collines. Collines et non plateaux. C'est d'amusement, quoi. Bon, on est entre nous. Bon, on est entre nous. Alors, nous célébrons qui aujourd'hui? Bonjour, Oracle. Bonjour tout le monde. Non, mais Oracle ne blague pas. Salut, Oracle va rapper un peu. Qu'est-ce que tu fais? Oracle, tu dois rapper un peu. Ah ouais? Je suis né en 2000. I know I can. I know I can. Be what I wanna be. Be what I wanna be. If I work all day. If I work all day. I'll be what I wanna be. I'll be what I wanna be. Allez, répète. Tu connais pas? Tu vas descendre du plateau. Qu'est-ce que tu fais parmi nous ici? Tu descends du plateau. Qui l'a emmené, lui? Qui l'a recruté? Sécurité. Emmène son corps dehors parce que lui, il n'a pas été. On n'a même pas dit t'es qui, toi. Qu'est-ce qu'il fait parmi nous, le gars? Yo, man, où allez-vous? Checky. Hein? Même le checky, il ne sait pas ça veut dire quoi, checky. En ce temps, moi, j'allais te. Tu as l'été. Bon, OK. On va quand même poser la question. Est-ce que vous connaissez cette chanson? Qui connaît? Eh, Seigneur. Qui connaît la chanson I Know I Can? I Know I Can. Eve, elle dit, est-ce que Eve peut venir? Je veux qu'on regarde un peu Eve. Dessus là, je vais voir des en bas. Il y a un autre. Yeah! Oh yes! C'est le style. Bah, attends, Eve, la chanson dont parle Lina, est-ce que tu la connais? D'abord, même quel artiste old school du Togo tu connais? Question pour toi.
Yo, yo. Yo, 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 yo. Ah, ben ça commence bien. Yes, yes, yes. Yeah, yeah. On ne va pas aller trop loin. Comme ça, il parlait comme ça en 2000. C'est ça que je ne savais pas, je devais tu vois. Parce qu'on n'a pas fait les mêmes 2000. Bon, OK, on va pas aller très loin. On va sur qui? Tu vois qui, là, tout de suite, là? Tu vois qui? Ben, tout de suite, je vois Eric MC. Yeah! Yeah! Mais tu sais quoi? Tu sais quoi? Nous, quand on était dans les années trucs, on était des élèves studieux. La tricherie que tu viens de faire, elle ne marche pas ici. Eric MC, il est juste assis là. On dit de voir quelqu'un, va au-delà du studio, tu regardes Eric MC, tu dis Eric MC. Bien sûr, on a vu Eric MC, c'est lui, il est méchant. Maintenant, tu nous trouves quelqu'un d'autre, des années. Mais je me vois moi-même. Elle va à ta place. OK. Alors, les célébrations du jour, quels sont les prénoms du jour? Voilà. Alors, aujourd'hui, le 22 juin, nous fêtons les Albans Aubin en l'honneur de Saint Alban, martyr mort vers 304. Saint Aubin est considéré comme le premier des martyrs anglais. La ville où il vivait, dans le Herbershire, porte son nom. Ouais. Plusieurs communes en Attends, France... Attends, d'abord, c'est ça. Toi, ton histoire, là, va être... Attention, je vais... Oui, oui, non, on a vu tout ça, c'est bon, c'est... On voit que tu es d'accord, tu veux... Viens ici. Le prénom Alban, voilà. Il faut aller à l'essentiel aujourd'hui. Vas-y sur le prénom Alban, s'il te plaît. Alors, le prénom Alban vient de l'adjectif abus, qui signifie blanc, tout comme le mot albâtre. Ouais, c'est vrai. Ah, mais voilà, il faut faire simple. Et par rapport à notre invité du jour. Vous connaissez sa... Date de naissance? Date de naissance? You know. J'ai vu un 1er septembre. You know. 1er septembre, ah, oui. Yes! Yo! Non, en fait, je connais sa date de naissance parce que, you know, avant, before, on célébrait ensemble, you know. Vous êtes trop jeune, you are so young, hein? Forever young! C'est que... Forever young, voilà. If you wanna trick together, and never... Celui qui connaît les paroles n'a qu'à venir ici. Bon, on continue. Le 1er septembre. Il faut qu'on soulève la calebasse. Il faut que quelqu'un soulève la calebasse. Quelqu'un a dit à ses parents à la maison, je vais sur la TV. Maman, regarde la dame derrière avec un chapeau rouge. Yeah. Andy, can you come over, Andy? Yeah. 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 Andy, c'est quelle chanteuse qui t'a inspiré aujourd'hui, Andy? Andy, c'est tu Annie. Caches des choses. Hein? tu as incarné quel artiste, Andy? Non, je n'ai pas incarné d'artiste particulièrement. Je me suis juste inspirée de l'année 90. Yeah. Ah, yeah, yeah, c'est bien yeah, ça. Yeah, 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 yeah. Ah, ouais. Andy, my love, I love you. Just leave it this calabash. Yes, please give me the microphone. Est-ce qu'on peut applaudir nos chers Andy d'abord? Merci. Super. Merci, on la raccompagne aussi. Thank you so much. Ah, ça, c'est ma go. Bien. Alors, 1er septembre, tu peux lire recto verso. Tu peux lire maintenant recto verso. Okay. C'est maintenant que tu viens dans les années trucs. Avant, tu étais... Just a man. Yes. So go on. Alors, l'invité, il est né le 1er septembre. Nous fêtons les Gilles, en l'honneur de Saint-Gilles, un ermite qui vécut dans les forêts près de Nîmes, dans le Gard. Okay. Il y fonda une abbaye qui porte son nom, Saint-Gilles du Gard, et est mort en 720. L'étymologie du prénom Gilles n'est pas certaine. Il est possible que ce prénom vienne d'un mot d'origine germanique qui signifie « otage », ou bien qu'il vienne du grec et signifie « bouclier ». Les Gilles ne sont pas certains. Quoi. Moi-même, je doutais bien de Gilles Chaffa. Là. Sur lui, là, je n'étais pas certain. Mais on va vous aider quand même. On poursuit. Aptitude. Alors, vous êtes vêtu de beaucoup d'assiduité, discipline et personnalité travailleuse. Attends voilà. D'abord. Ça. Vêtu de gloire, le fils de l'homme reviendra. Oh, c'est bon. On continue. C'était le jingle. Non, c'est bon. On continue. Alors, vous croyez en la relation avec les personnes qui vous entourent à un niveau neutre. Par là, vous prenez tout le monde pour égal. La priorité absolue pour vous dans la vie est d'être libre, compréhensif et moins honnête.
Vous êtes connu pour être l'un des individus les plus intelligents de Terre. C'est parce que vous avez un moyen de franchir n'importe quelle forme d'obstacle. Vous avez et vous allez également être un amant aventureux et romantique, attrayant et rebelle. Vous êtes un individu doué d'une personnalité charmante enveloppée de charisme. C'est tout lui. Si je le vois lui, en fait, tu vois, c'est un romantique, il aime bien. Là. Cool vie, c'est une chanson romantique. Je sais pas si tu te rassures. Cool oui, vie, bien sûr. Très romantique. Très romantique. Même Adjo. Même Adjo. Adjo. Adjo, 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 Adjo, Adjo. Adjo, Adjo. Adjo, Adjo. Adjo, yes, on continue. Alors, vous êtes quelqu'un qui est capable de changer facilement d'humeur en n'importe quelle période. Okay. Vous ne devez pas non plus être trop possessif dans votre relation avec les gens. Ah. Apprenez à donner aux gens d'espace dont ils ont besoin. Mm. Cela pourrait vous aider à obtenir le respect que vous méritez de leur part. Mm. Vous êtes également une personne qui agit toujours dans le cadre de sa force. Vous serez une personne charmante et directe dont le souci du détail est légendaire. Mm. Vous êtes connu pour être quelqu'un qui admire et se rapporte aux gens autour d'eux avec amour et attention. Mm-hmm. Vous allez être une personne qui aidera les pauvres autour de vous. En plus de cela, vous allez être une personne bienveillante, déterminée et passionnée par le succès. Yeah, ben voilà. Est-ce qu'on a menti une seule fois dans tout ce qui a été dit? Voilà, il a dit la vérité. Exact. On continue? Alors, la platine est votre métal de chance. Okay. Le saphir est votre pierre de naissance. Mm-hmm. Vos numéros porte-bonheur sont le 4, le 9, le 11, le 15 et le 27. Votre couleur porte-bonheur est le bleu marine. Vos jours de chance sont le mercredi et le dimanche. Mm-hmm. Votre fleur porte-bonheur est la gloire du matin. Ah, ouais. Ah oui. Ouais. Oui, il a eu la gloire. De gloire. La gloire du matin. C'est pour ça qu'il est glorieux d'abord. Ouais. Parce qu'il est toujours resté au top des tops. Hein. Ah ouais. Non, et puis déjà, il a porté la veste, c'est du bleu marine. Oui, bleu marine. C'est toujours de la gloire. On est toujours dans la gloire. Hein. Ouais. Quand on vous dit qu'il y a des papas avant les papas, vous n'avez pas compris. Je veux juste dire à Sénat, hein. Sénat, est-ce que tu peux emmener le trépied à gauche, sur ce côté? Continue, toi. Votre... plante porte-bonheur est la bourrache. La bourrache, d'accord, ok. L'animal. Alors, non, l'animal porte-bonheur, ça c'est déjà la bourrache, ok, d'accord. L'animal porte-bonheur, on n'a jamais été pressé de découvrir l'animal porte-bonheur, vous le savez très bien. Comme d'habitude. Je vais lire quelques messages rapidement avant de le... Avec tout ce qu'on a eu de gloire, je pense que l'animal porte-bonheur sera également de gloire. Sera glorieux. On a vu pour Dieu donner Kevin dans ce pays. Bien, alors, pendant que je vais lire des messages, on va installer le trépied et le micro parce qu'on va accueillir notre invité. Il va arriver d'une manière assez exceptionnelle, vous allez voir. Mais sinon, bonjour la pause. Bonjour. La vie. Coquine. Vous venez de nous prouver encore que vous êtes merveilleux. C'est Emignon depuis Adido Gomé. Merci beaucoup. Merci. Coucou la pause. Salut. Je vous kiffe trop. C'est chaud sur le plateau. Félicitations à vous. J'aime ton chapeau et le pantalon. C'est Sévir depuis Zongo. Merci beaucoup. Sévir. La vie. Coquine. Salut le plateau. Bonjour. Je vous souhaite une très bonne émission. C'est Azim depuis Diagblé. Merci beaucoup. Azim. Bonjour Océane. Bonjour. Nous avons kiffé le style américain. Nous voulons voir Eric MC avec son peigne dans les cheveux. Socrate depuis le Bénin, c'est toi qui regardes la télévision gratuitement, tu imposes les choses. Ah, il faut attendre quand l'heure va arriver, on va le faire venir. Hein. Attends d'abord. Minto, bon, mito, et bi. Bon, voilà, on va faire ça. Pas énerver maman. Bien, alors bonjour Océane. Bonjour. Alors, déjà, on vous envoie un gros bisou. Merci, gros bisou également. Gros bisou, gros bisou. Ouais. Salut la pause. Salut. Oh là, me le coucou, minotement, le kakabobo. Doucement, hein. Vous allez trop rouya rouya. Je kiffe trop votre émission. Merci. Mes respects à Eric MC, c'est Alain Djinou. Merci Alain. Et il a envoyé une photo d'Eric MC là. Si je mets la photo là, c'est gâté. Bien. Alors, je vais prendre, je me lève. Merci les gars, excusez-moi, je suis trop agitée aujourd'hui, c'est normal, je reçois rien Eric MC. Je vais mettre ceci ici, ok. Est-ce qu'il y a encore possibilité de retamiser? Est-ce qu'on peut diminuer un peu la lumière? Je ne sais pas si ça peut se faire ou pas. Sinon, ce n'est pas grave. Bien. On va commencer à applaudir. On va applaudir en bonne cadence, comme ça. 1, 2, 3.
4. L'animal 6. Oui. Yellow. Mesdames et messieurs, nous allons recevoir dans cette émission le doyen de la musique togolaise. On est dans le rap, on est dans le hip-hop. Il a révolutionné les choses. Il a inspiré les jeunes. Il reste le papa, Eric MC.
C'est bien entré, hein. On a bien commencé. Alors, on va faire les accolades et puis on va ramener Eric devant le micro parce qu'on a quelque chose à lui dire. Justement. Bien. Et merci également pour tous les messages. Ils sont tellement nombreux aujourd'hui. Franchement, ils attendaient de voir Eric comme ça. Bien. Concentration. D'abord, Eric, on a parlé de l'animal porte-bonheur. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, hein. C'est Dieu. Et quand c'est comme ça, il faut l'accepter. Parce que tout ce que Dieu fait est... Voilà. Animal porte-bonheur. Quel animal? Alors, votre animal porte-bonheur est l'ours polaire. L'ours polaire. Bien. On continue. Justement. Soso glosso valo, nous allons doser. Aola. Mimi la zouda, doudou la zouda, soso glosso. Nous allons doser. Soso glosso, migbea, il nous allons doser. Fils de Togbizipi, perdu dans les méandres des transgriotiques dans les rues d'Abidjan. Son enfance fut pavée d'attitudes insolites à l'école primaire pendant la récréation. Le rap possède son corps et le met en transe suite des flots rappés qui s'offrent en spectacle devant ses camarades. Wow. Soucieux de l'attitude de son enfant, son père l'envoya au Togo pour la cérémonie de purification au niveau du panthéon familial, appelé communément Togbizipi. Une enfance perturbée par la situation sociopolitique du pays, il part au Nigeria pour perfectionner sa passion de DJ. En 90, retour au Bercail au Togo. En 96, il sort son premier album, Get Me, Love Me, engagé aux côtés de la lutte contre le sida. Sa sauvation. Avant les caddies, le père du mouvement rap hip-hop au Togo, sur le front contre l'illégalité, il s'exile en 2006 pour revenir en 2010. Mm-hmm. Ovationner son exil. Boycotté par les promoteurs culturels, les médias, il s'engage en politique aux côtés de l'opposition. Mm-hmm. Conscient des failles de l'opposition, il rebousse chemin pour prôner la consolidation des acquis en 2015, en 2020. Ovationner la grandeur d'esprit. De la musique à la politique, l'homme entre dans la littérature avec son œuvre autobiographie, Le vieux père et la révolution du hip-hop au Togo. Mm-hmm. Ça s'ovationne. Tu as chanté Get Me, on t'a rien dit. Tu as chanté à Joe, on t'a rien dit. Pourquoi tu as chanté à Dja Mofo? C'est qui à Dja, c'est qui Mofo? Pour paraphraser un grand homme de ce pays que je vous demande de rassurer. Il se nomme Messan Yaovi, Black Nigga Eric MC. Comme si
ici, c'est ta place. Mmh. Tu t'installes convenablement et confortablement. Et comme toujours, on reçoit dans cette émission un doyen comme cela se doit. Et donc, je vais les inviter en binôme. Est-ce que M. Yannick Smoussi peut venir accompagner de A.K.A. Kilimanjaro au fond de la classe? Bien, alors ça c'est pour toi et ça c'est pour John. Bien, bonjour Yannick. On sent que tu n'es pas des années. Trop voilà, justement. Tu es trop yo-yo-ya-ya. Il faut être yo-yo-yo. Dis-le pas, non, dis-le pas. Bonjour, c'est. Bonjour, Yannick. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Yannick. Bonjour, Fofo Eric MC. Bonjour, Yannick. Bienvenue dans la pause. Merci. Comme il est de coutume, nous recevons les invités, les grands invités, avec un breuvage spécial qui est posé devant vous. Voilà. Alors, le but du jeu, c'est déjà de commencer par déguster et de deviner tout ce qu'il y a comme fruits et légumes dans ce breuvage, en fait, dans ce bocal. Mais attention, une réponse manquée égale à 10 000. Ah oui. Claire. Une réponse... C'est de la passion. Non. Ça fait 10 000. Facile, facile, si nous on pose la question, vous n'arrivez pas à trouver, vous nous payez 10 000 francs. Voilà, c'est ça. Donc, il ne faut pas donner de fausses réponses ici. Merci. Il n'y a même pas de contradiction en fait, parce que comme Eric a commencé à boire le breuvage, il ne fallait pas y toucher. Quand tu as touché, tu dois payer. C'est fini, c'est gâté. Il a dit fruit de la passion. Il n'y a aucune passion dedans. 10 000. Bien. Vous nous devez 10 000. Oui, il y a de la banane. Okay, il a trouvé la banane. Ok. Ouais. Gang gang. La mangue. Non. Oh bon. Gang gang. Ajamo foya unam. Ntolo. Ntolo. Non plus. 30 000. 30 000. 30 000. Et bébé foufoua, non. Option. Dernière question, c'est 20 000. Dernière chance. Et où? C'est 20 000 ici. Faut qu'on aille à ces 30 000. Oui, justement. Bébé fou, 30 000 à tchan foufoua yé. 20 000, il y a solo mouya homé. Eric, dans quelques secondes. Pour vos duos, là. Gang. Encore quelques secondes, à diamant fort. On essaye, Eric? Qu'est-ce que c'est, 50 000. Déjà, je vois marcher les 50 000 verres. 50 000. Encore. Oh, buvez autant que vous voudrez. Et buvez. À nous, les 50 000. Buvez. Adjo, bajo. Non plus. Hey! Yeah! 50 000. Pour la pause, 50 000. Eric M6, zéro. On applaudit. Première partie, un point de plus pour la pause. Deuxième partie, gare à toi. Hein. Je donne déjà la réponse. C'est là où tu viens avec les questions bizarres. Non, mais je donne déjà la réponse. Donne déjà la réponse, on va voir. Alors, monsieur Eric MC, dans ce breuvage, nous avons la banane, vous avez trouvé, du pain de singe et de l'ananas. Donc, le pain de singe, là, c'est... À la langue. La langue. Ah, je n'ai pas mangé ça. OK. Et puis, il y a ananas. Ananas. C'est pas compliqué, mais... J'ai senti une fibre d'ananas, mais j'ai cherché. Est-ce que c'est pas l'orange? Et puis, on m'a dit... Nous aussi, on a senti une fibre de 50 000. C'est venu. Yannick, alors, grand merci. Je pense que c'est bon, parce que toi, avec toi, on a gagné 50 000. Attends, sous là. Une question là. Une seule, promis. OK, vas-y, non, sur ta question. Non, mais c'est juste pour tester un peu les connaissances de mais monsieur. Mais si on ne gagne pas de l'argent, je vais te frapper. Non, mais c'est la chance de mettre la mise. Donc, OK, on y va. On va partir avec cette image. Okay. C'est une devinette, si on veut. Ou voilà. Comment appelle-t-on? Déjà, vous aimez les burgers, monsieur Eric MC? Oh, non. Il n'aime pas les burgers. Il n'aime pas ça. Il est traditionnel. Donc, disons, on passe sur cette question.
comme il n'aime pas les burgers. Ceux qui font les burgers, non. Oui, attends. C'est les bougamans. Il va suivante. Comment s'appelle cette partie du pain? Oh, c'est... Nous avons la tranche. La nuque. La nuque. Il y a trois réponses. Il y a trois réponses à choisir. Il y a la tranche, le quignon et... L'embouchure. L'embouchure. Oh, ça doit être le quignon. Ouais, ça, c'est l'embouchure. Non. C'est le quignon. C'est le quignon. Arrêtez de passer les 50 000. Merci Yannick. Okay, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut le raccompagner, Ndji Adjo? Attends d'abord, John Trick. Oui, non, Yannick va partir, John va continuer. Applaudissez-vous, on accompagne Yannick. AKA, je te fais confiance. Tu peux continuer de boire. Oui, c'est pour toi, Tu y vas. Alors, John. Merci Yannick. Bonjour. Bonjour, le boss. Bonjour Yannick. C'est John. John, oui. Alors, j'ai dit le boss, pourquoi? Parce que j'ai tellement estimé... Alors, j'ai dit le boss, pourquoi? Parce que Rick MC, c'est un artiste qui m'a beaucoup inspiré lorsque j'étais petit. Donc, ne voilà. Pleure pas. Je ne vais pas pleurer. Non, ne t'inquiète pas. Je dis ça parce que je vais donner des coups très, très forts. Alors, monsieur Rick MC, en 2006, le Togo a participé à... Coupe du monde. Oui, Coupe mondiale. Ouais. Le Togo, l'équipe togolaise... en 2006 et l'équipe togolaise en 2021-2022. Comment est-ce que vous la trouvez? Il y a une très grande différence. Une très, très grande différence parce que, d'abord, dans l'entame, l'équipe de 2007, quand elle partait pour les voyages, elle était soudée. Ouais. Et je me rappelle que le capitaine Changai avait envoyé... Aldemayor avait envoyé le capitaine Changai à venir me voir en Italie. D'accord. Afin que je vienne les soutenir en Allemagne. Mm-hmm. Et c'était quoi? Il m'a dit... Chaque fois qu'ils allaient jouer, ils jouaient Obemia Wini Gbevuanlo dans le cas. Okay. Et c'est ce qui leur a donné la force. Donc j'étais allé en 2000, j'étais allé en Allemagne. Okay. Mais c'est là que la France devait jouer contre le Togo. Et on avait le problème de la France pour, vous savez, en ce moment, c'était Et moi j'ai dit à Adebayor, il y avait un concert qui devait se faire après le match. Et moi j'ai demandé à Adebayor, je suis allé dans leur hôtel. Okay. Je l'ai rencontré. Quand je suis allé à la réception, et quand je suis rentré net, j'ai vu le capitaine qui était en bas. Ils avaient les familles qui étaient venues les voir. Ouais. Et quand il m'a vu, il est venu vers moi. Il m'a dit, ah, tu es venu, tu as pu venir. J'ai dit, oui, il m'a emmené à la réception. Et il a pris le téléphone, il a appelé la chambre d'Adebayor. En moins de 5 secondes, Adebayor était en bas, mais en culotte, en petite culotte, sans chemise. Voilà. Parce que Adjamofo était là. Anecdote. Oui, anecdote. Et c'est là que je lui disais, il faut que tu gagnes la France. Quelle que soit la forme, il faut que tu gagnes la France pour que les Togolais soient contents parce que vous avez vu la transition, le changement de président, tout ce que ça a eu avec la France. Donc, il fallait qu'ils gagnent la France pour qu'on soit heureux. Ouais. Mais à la fin, la France a gagné le Togo 2-1. De but à 0. Non, mais il n'avait pas plu le jour-là. C'est pour ça qu'on n'a pas gagné. Et voilà. Et alors, le concert n'a pas eu lieu. Ouais. Parce qu'ils ne sont pas venus à la salle de concert. Okay. Peut-être après que c'était eux-mêmes, ils avaient honte. Voilà. Ou je ne sais pas. Super. Alors, merci beaucoup, Adja Monfoy. Je vais vous demander, est-ce que vous avez l'habitude de faire du sport? Oui, tous les jours, tous les 5 fois dans la semaine. Je fais le jogging le matin. Okay. Quelquefois, je fais du vélo. Okay. J'ai mon banc d'haltérophilie à la maison. Super. Je fais la corde. D'accord. Wow. Ça, c'est une très bonne réponse. Mais alors, sans vous demander, je vais inviter Eric MC à venir. Voilà. En une minute. Une minute. Okay. 45 secondes. Alors, ce qu'on va faire, c'est des exercices. Ouais. C'est bien possible? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez l'habitude de faire des pompes? Oui. D'accord, on va en faire ensemble. Ouais. On va voir qui va s'arrêter. OK. Ça, c'est le défi. Attends, il faut lui parler sérieusement. Hein. Ce que tu as dit, si tu sais là, et puis Eric, comme s'il va gagner, il va dire qu'il fait plus, c'est quand nous disons tout. On t'a rien demandé. John, notre héritage est. Non. Les gars, c'est combien de secondes? Go! Bon. Allez, on y va! Un petit peu de fond. Ouais, pardon. OK, on compte avec le public. 1, 2, 3, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
là. Ça fait 100 000. Non, 50. Non, non, pas, il y a pas de moins. Moi, c'est comme faut pourquoi dire que tu es jeune. J'ai 56 hein. ans. Wow. Quand j'avais son âge, je faisais 100. Je suis d'accord. Wow. Attends, ce qu'on va faire, on va ramener ça à 25 000. J'avais toi en 15 000. Merci, John. Merci. Merci, John. Allez, on va marquer une petite pause, pardon, rapidement. Hein, oui, okay. On va à la plage publicitaire. Et puis, quand on va revenir, on va éteindre les lumières parce qu'on va faire descendre le joyeux dans le carré. Cacophonique. Et là, il y aura des questions assez chaudes. Linus en a, il en a. Oui. Les téléspectateurs en ont également, le public. Et puis, attention, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Plage pub. Champion Slam Pause, saison 2. Amoureux des vers, séducteur des mots, vous êtes slameur, vous êtes poète, vous êtes artiste, sculpteur des mots. Inscrivez-vous au 91 63 16 48. On en a trop parlé en oubliant de consoler les gens qui sont touchés. Alors ceci est un texte d'espoir pour ceux qui n'arrivent plus à croire. La vie est un jeu d'échecs et nous en sommes les pions. On pense la contrôler alors que c'est tout le contraire. Et si vous croyez que je mens, demandez donc à la terre. Elle vous dira qu'elle était belle mais n'est plus saine comme hier. Mais là j'en ai assez, je crois que je vais porter plainte. Qui va détrôner Mujab? Oh, plus de stress, plus de doute, plus de crainte. Bientôt tout ira bien. Tout ira bien, Migiab. Graceland All Service et Elf Smoothie et Agathe Delice organisent un atelier de cuisine. Trois modules seront au programme. Tagliatelle à la sauce, smoothie lune de miel et des quiches. Retenez bien la date, ce samedi 25 juin 2022 à 9h GMT. Participation 10 000 francs. Contact plus 228 91 87 73 38 ou le 90 66 34 43. Lieu de la formation, Westland All Service, Sisa Gaglopota, Carrefour La Poussette. Le corps médical a toujours préconisé la consommation régulière de fruits et légumes pour une santé au top. Nos smoothies fraîcheur nature insistent sur l'onctuosité de ces cocktails aux saveurs mangue, banane, papaye, kiwi, avocat, ananas, betterave, épinards et d'autres boissons aussi exquises et délicieuses. Pour passer vos commandes et ou vous abonner, appelez le 90 66 34 43. Cet instant est plus intime, donc permettez-nous de vous tutoyer. Ce qui veut dire que... Alors, vous allez
Mm-hmm. Ok, voilà. Il a déjà besoin d'eau, hein, ça commence bien. Très important. Bien. Voilà. Ok. Justement. Voilà. Les lunettes. Voilà. Donc, jamais il est... sans les accessoires de vérité. Il est bien garni. Bien. Alors, tu vas devoir répondre d'une manière brève, directe, succincte, à des questions des internautes qui vous seront posées. Oui. Ok. D'accord. Alors, nous allons partir avec la toute première question. Bonjour le plateau, j'espère que vous allez tous bien. Alors, ma question pour l'invité portrait du jour est la suivante. Alors, pourquoi Eric MC a choisi d'être auteur? Est-ce une vocation ou un moyen d'évacuer son rejet ou une thérapie? Merci et bonne suite d'émission à vous. C'est le moment de répondre. Ok. Quand j'étais petit, je lisais beaucoup les bandes dessinées. Et au moment de ma censure, j'avais écrit un mémorandum que j'ai distribué à l'exécutif, le législatif, le judiciaire et les ODDH. Personne n'a répondu. Et ensuite, à partir des polémiques sur les réseaux sociaux, je me suis dit, bon, il faut écrire l'histoire, comment l'histoire, le hip-hop est né au Togo. Parce que vous ne savez pas qu'il y a eu 4 étapes. On a été contre les nanabins ont été contre nous. L'armée était contre nous et la liberté d'expression, c'est le gouvernement. Et puis, voilà, notre look faisait peur aux parents. Deuxième question. Ouais. Question pour l'invité du jour. Eric MC regrette-t-il d'avoir fait de la musique au Togo dans sa vie? Si oui, pourrait-il nous dire quel aurait été le meilleur choix? Et bien évidemment, est-ce que ce choix aurait créé le même impact que celui qu'il a aujourd'hui? Et quand j'étais petit, ma vocation, c'était d'être avocat. Et ensuite, quand le hip-hop m'a découvert, et j'ai commencé à fuguer à la maison, j'ai connu la rue et j'ai connu des gens qui souffraient. Alors, comme le hip-hop, c'est la révolution de l'alterné et la population, je voulais changer le monde à travers le hip-hop. Donc, je ne regrette pas. OK. Troisième question. Bonjour tout le monde. J'ai une question pour l'invité. On aurait appris que le grand Eric MC jouait la lyre sentimentale à une blanche. Vous confirmez? Écoutez, j'ai vécu avec une femme blanche de 2000 à 2012. Oui. Et quand la censure a commencé, j'étais obligé de partir parce que je devais rentrer dans la rue pour révolutionner, pour faire la révolution. Donc, comme j'étais directeur de société de cette société de la femme blanche, j'étais obligé de partir de la maison afin qu'elle ne subisse pas les problèmes, les attaques. Voilà, sinon j'ai vécu avec une femme blanche parce que je me suis dit que je ne pouvais pas sortir avec les jeunes filles de ce temps. J'étais Eric MC et presque dans la musique, c'était la loqueli. Tout le monde couchait avec tout le monde. Voilà. Catherine. Yo, Plutôt mal du hip-hop togolais. Bandi le plus titré de Pompo, les filles. Mais les quoi, coucou, ya. Nettoie, on vient. C'est de ça qu'il s'agit, il y a un de le vent. Mais Eric MC, toi tu es comédien, mais le hip-hop va Togo. Au lieu d'adjé, à mon problème, au mitoumane, il y a même ton hip-hop, Ali Jazz, créateur, Kuro, et Fiona. Donc, on a des vidéos de Jiha, des vidéos de Baratif, pas bon. On a foutu de Diago. Il y a un hip-hop à Togo, années 80, années 80, on met des vieux bois pour venir. Et tu as joué, et au hip-hop, soit tu as 100 000. Mais les vieux, on est dans le bout de temps, mais les gars, hip-hop à mer. Il y a soit investi l'un de mes, et bien toi, rapporter dans le bogo, mais tu as joué grand. On prend un gré grenier, hip-hop à Togo pour un grand. On se voit, on a grandi les barres. Fofo, alors on vit au ghetto, Mike, et tu as joué, Madou, Galine fui, Noa d'or, des années, Boga. Il y a un anglais sur le coup, pour du plus que bon. Mais en fait, il y a un thème, il est bien. 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 Il Mais les filles, on aurait eu un auto, on a auto, on a eu un écrit hip-hop, écrit encore hip-hop à mot, au Italie, au Bobredoui. On est beau. Nos conseillers de vieux venari, qui me va hip-hop à Mary. Les maou, les chances de sourire à Mary. Les 1 million, 2 millions, Mingba, Bep, la Nick Bon.
Alors, il y a des questions des jeunes rappeurs aujourd'hui qui considèrent dans leur frustration que c'est parce que les aînés ne leur ont pas passé la main ou qu'on ne les a pas dirigés. Mmh. Parce qu'ils considèrent aussi que les aînés ont réussi leur vie dans la musique togolaise. Mais qu'eux, ils sont complètement embrouillés. Mmh. Bon, après, pour ce qu'il a dit, il a rajouté, ça n'engage que lui. Mais Doyen, en toute franchise, s'il y a une réponse à répondre... Ok, une réponse, c'est-à-dire le hip-hop a construit ma maison, un immeuble. Ça, c'est pour répondre. Super. Je pense qu'il y a des gens qui sont venus filmer et ma maison pour mettre sur les TikTok pour lui répondre. Mm. De deux, et les insultes dans le hip-hop est partie d'Ali Jazz. Le jour où Ali Jazz a mis les pieds aux USA, Ali Jazz a commencé à m'insulter. Et tous les jeunes ont pris. Ce qu'ils ont oublié, la révolution que j'ai faite contre le gouvernement, tout ça, c'était pour les artistes. Et j'ai acquis le statut d'artiste. J'ai acquis le fonds d'aide à la culture, j'ai acquis la mutuelle, j'ai acquis l'assurance pour la musique. Il reste le palais de la culture pour les jeunes de la culture. Ouais. Les jeunes, je ne suis pas allé vers eux, je ne pouvais pas parce que j'avais une étiquette politique censurée. Donc tout ce que j'ai aidé à partir de 2007 à 2009, le Kwadome Réveil avec le studio Lumumba, tout cela ont subi ma censure. Donc et pour remettre tout en place, le 22 juillet prochain, vous avez Ali Jazz en concert au Palais des Congrès. Super. Je te demande pardon, mon jeune frère. Je t'ai donné le micro en 2016. Tu dis, tu es. Je n'en dis qu'on vient pas. Le 22, il faudrait que tu fasses un concert live pour que je sois assis et que je t'applaudisse jusqu'à la fin de ton concert. Mais si tu te permets et que tu oses de faire un playback, je reviens de t'arracher le micro. Parce que je t'ai donné le micro en 1996. Et je t'ai soutenu, je t'ai mis derrière sur mon album, tout. Et je ne sais pas si ce sont les États-Unis qui te sont montés sur la tête. C'est vrai, c'est le pays où le hip-hop est le plus développé, qui coûte à l'État, qui fait rentrer à l'État dans l'argent de l'État les 61% du budget. Le hip-hop fait ça. Mais au Togo, on a travaillé à faire que le hip-hop puisse nourrir son artiste. Parce qu'aujourd'hui, vous avez une nation dans une nation. Le hip-hop a plus d'adeptes dans toutes les maisons, toutes les concessions, du nord au sud, il y a le hip-hop. Donc si on veut scinder le peuple togolais, vous verrez que le hip-hop en a plus d'adeptes. Donc jeune frère, il faudrait que je te mette à ta place. Mais celui qui a fait cette vidéo sur le TikTok, et je vais lui envoyer une convocation. En ce moment, il est à vie de recherche dans le ghetto. S'il habitait dans le ghetto, on l'aurait retrouvé. Non. Je crois que c'est un petit-fils à maman comme Ali Jazz qui se met dans sa chambre et qui se met à vilipender, à diffamer. Donc, je pense que lui, quand on va le retrouver, on va lui envoyer une convocation. Mais Ali Jazz, je lui lance le défi au Palais des Congrès le 22, qu'il fasse un concert live. Et là, je vais l'applaudir. Mais si ce mec appelle le playback après 20 ans, de carrière, je vais lui arracher le micro. Voilà ce que j'ai à dire. Voilà ce qui est dit. Hein. Assez fort. Bien. Alors, on va continuer avec les Linus. 5 questions de Linus avant de finir cette émission dans quelques minutes. Alors, Eric Amsi, qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne de vous? Je veux qu'on retienne de moi quelqu'un qui a révolutionné le Togo, qui a émancipé la jeunesse, qui a fait savoir à tout un jeune que la lumière qu'il a au fond de lui, c'est quelque chose qu'il peut exploiter. Mmh. Et c'est ça, le hip-hop. Le hip-hop te fait découvrir toi-même. Il faut que tu te découvres pour connaître tes potentialités. Donc, voilà ce que j'ai ramené dans la nation togolaise. D'accord. Et à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'une partie de ce que vous venez de dire, vous êtes reconnu? Il est reconnu parce que, comme vous voyez, tous les jeunes sur TikTok, tous les jeunes dans la ville aujourd'hui, ils sont stars, même sans avoir rien. Dans leur tenue, déjà, ils s'expriment en tant que stars. Mmh. Même, vous savez, c'est tout le monde qui prend n'importe quelle chose qu'il fait au nom du hip-hop va le vendre. Tu peux ramasser du sable à la plage, le verser dans une bouteille et en tant que hip-hopper, tu le vends dans la rue. Les gens ne sauront pas pourquoi, mais cette lumière en toi, ce que le hip-hop dégage en toi, va te faire vendre. Mmh. Ok, très bien. Alors, je vais m'occuper plutôt du social, de la vie des jeunes, de l'environnement, comme on l'a fait depuis le début. Ce sont vos mots. Oui. Ça, ce sont des chansons que j'ai faites pour la population. Parce que autant, on ne pouvait pas passer sur les médias avec nos chansons. Donc, j'ai commencé avec le sida, condom, l'environnement. Et voilà, les portes ont été ouvertes à tous les rappeurs aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, s'il fallait mener des actions par rapport à ce que vous avez dit vous-même concernant le social, les jeunes, l'environnement, quelles seraient ces actions à mener pour le peuple togolais? Moi aussi, j'ai une action à mener prochainement, c'est le social. Je pense que quand Covid-19 est arrivé, le gouvernement a fait le RUS, le Revenu Universel de Solidarité, qui est appelé Novici.
Et je pense qu'il est temps maintenant aussi de que les mairies, les maires, les communes recensent les jeunes dans leur quartier pour voir qui sont ceux qui sont, ont un travail, ceux qui ne sont chômeurs, tout ça, et pour pouvoir leur donner un minimum de revenus. Et ça, je pense que c'est mon prochain combat. D'accord. Vous voyez. D'accord. OK. Alors, musicalement parlant, on va dire que les générations sont différentes. Hein. À votre époque, il y avait peut-être des avantages, des inconvénients. Et inversement aussi, à notre époque, il y a des avantages et des inconvénients. Alors, de votre époque, qu'est-ce qui, selon vous, a été un avantage que vous n'avez pas pu, on va dire, fructifier? Et inversement, qu'est-ce qui a été un inconvénient que vous avez pu surmonter? Un avantage que nous n'avons pas pu? Dont vous n'avez pas pu bénéficier correctement. Oui, mais c'est quand on a rencontré en 1997-98, lorsque le RPT avait ses 30 ans et que le feu directeur de la TVT, M. Pistang Tchala, nous avait appelé pour renforcer l'image du président Feu Eyadema qui était sali à partir de 1990 lors des grèves. Mm-hmm. Et nous avons ramené toute cette jeunesse autour du feu président Eyadema. Mais la suite, ça ne nous a pas avantagé parce qu'ils se sont accaparés de tout. J'ai chanté en 2020. J'ai chanté en 2000 pour le président OUIA, 2000, quand il était président de l'OUIA. Il a dit au président de l'Assemblée du temps, à Gbeyome, qu'on nous produise cet album. On a marché. Et voilà. Et ensuite, on a eu le visa pour aller à la fête au concert de l'unité africaine en Libye. On nous a donné les visas. Ils sont partis sans nous. Ils ont emmené. Et Kadhafi avait affrété un avion spécial pour nous. Ils ont emmené tout le monde, sauf moi et Yakmo, parce que c'était nous les rappeurs. Vous voyez, le lendemain, on est allé, on savait que le président devait partir. Nous sommes allés à la présidence, on a tout fait. On nous a envoyé à Verfort qui a donné. On nous a demandé de demander les billets d'avion, le prix des billets d'avion. Je suis allé voir la dame à l'agence. On a besoin de 2 billets d'avion pour la Libye. Un, le prix d'aller simple et le prix d'aller-retour. Elle a mis 781 000 pour un et elle a mis 1 200 000 pour... Ce qui veut dire que... Et l'aller simple, c'était 790, il fallait multiplier par 2 personnes. Bon, ouais. Quand on a eu, parce qu'en ce moment, les billets d'avion pour aller en Europe, c'était à 300 000. Ouais. Comment je pouvais penser qu'une seule personne pour aller en Libye, c'était 700 000? On a envoyé le reçu au président Faure. Mm-hmm. En ce moment, il était le ministre, il était député de Blita, je crois. Et le lendemain, on nous appelle, avec un garde de corps qui vient, on nous amène à l'agence, la femme fait la facture. Le monsieur donne les 750 000, elle dit qu'elle attend encore. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez dit... Elle dit non, 750 000, c'est pour une seule personne. Mais je dis, madame, vous êtes bête, on vous a demandé une facture pour 2 personnes. Elle dit, il fallait multiplier par 2. C'était à moi de multiplier par 2. Non, c'était à elle de multiplier par 2 sur l'affiche. Et le monsieur aussi, il est reparti avec les 750 000 et on n'a plus jamais revu. Alors, franchement, c'est une histoire au cambodgien. Et en termes d'inconvénients, qu'est-ce que vous avez pu surmonter à votre époque? Voilà. Inconvénients à notre époque? Oui. Quand vous faites le parallèle avec l'époque d'aujourd'hui. Quand on nous poursuivait, hein, parce que quand on prenait les poids, il arrivait un moment, en 1990, on a été épémog, on a lancé les pierres. Hein, vous voyez. Mais après, maintenant, il y a eu... On est parti, la grève illimitée, on est parti au Bénin, au Ghana. La première vague qui devait partir, moi, je devais être dans cette vague qui devait partir aux États-Unis, mais j'ai dit, je ne vais pas. Pourquoi tu ne vas pas? Parce que moi, j'avais le rap que je devais imposer au Togo. Donc, c'est pourquoi je n'ai jamais voulu vivre en Europe. J'avais déjà quelque chose en quoi j'avais confiance. C'était ce rap-là. Donc, tous ces jeunes de 1990 qui étaient au Ghana, les réfugiés, la majorité d'eux sont aux États-Unis. Aujourd'hui, ils sont en train de chercher à revenir. Mais ils ont déjà eu un statut de réfugié. Il y a d'autres qui sont des cinéastes, on les voit rentrer. Bon, ils sont américains, voilà. Donc... D'accord. Alors, pour finir, rapidement, 5 conseils de vie pour les artistes togolais. 5 conseils de vie? Oui. Je ne peux pas leur donner de conseils parce que je suis les pères. Et un père, c'est vrai qu'un père, il ne peut pas crier sur son enfant. Non, je suis le vieux père, parce que le grand père, parce que le père, c'est Daddy Creator. Ouais. C'est Daddy Creator que j'ai formé, qui a emmené tous les Ali DJs en moi. Ali DJs, par exemple, ça a été la première personne à commencer à te traiter après moi. C'est pourquoi je l'avais bien aimé, bien pris autour de moi. Mais à la fin, voilà ce qu'il a fait. Donc vous n'avez pas de conseils pour les artistes togolais? Ils insultent trop de nudes, trop d'insultes, trop de nudité, voilà. Et puis trop de bling-bling, de buzz, parce que la vie qu'ils vivent, ils ne mettent pas sur les réseaux sociaux. D'accord. Chaque fois que vous les invitez dans votre maison pour une fête, ils prennent des photos. Mais pourquoi ils ne prennent pas? Moi, par exemple, je peux être en train de faire à coup, mais je fais la photo, je mets sur le... Pour moi, c'est ça le buzz. Mmh. C'est pas aller dans la chambre d'Océane parce que son salon est beau, je m'assois, on a mis un verre. Et 4 choses,
Chaque fois que tu vois la photo d'un artiste sur les réseaux sociaux, il a un verre d'alcool à la main. Ouais. Ça veut dire quoi? C'est pas ça le buzz. Hmm. Vous comprenez? Voilà. Alors, présenter une vie saine et présenter sa vie à soi. C'est-à-dire ouais. être réel. Réel, en fait. Ouais. Et musicalement parlant, on va dire. Ça, c'est musicalement parlant, oui. Il faudrait que je ramène le hip-hop dans l'ordre. Hmm. Et pour ramener le hip-hop dans l'ordre, il faudrait que celui qui a bafoué, et comment dirais-je, le respect de l'ancien, du plus grand, vous voyez, c'est mm-hmm. Ali Jayz. Ouais. C'est lui qui m'a embêté et que tous ces jeunes aujourd'hui m'insultent, me vilipendent, me diffament sur les réseaux sociaux. Donc, je te demande pardon. Soit tu retournes sur les réseaux sociaux et que tu dises que, Eric M, si je m'excuse, c'était du buzz, ou soit tu viens à Lomé, tu fais ton concert live. Mais en playback, tu es obligé de mettre les forces de l'ordre autour du palais des congrès pour ne pas qu'on me laisse rentrer. Parce que si j'entre et que tu es en playback, je t'arracherai le micro. J'ai cette potentialité de t'arracher le micro. Et tu le sais, je connais toutes tes techniques, je connais. C'est moi qui t'ai aidé et je peux te désaider encore. Wow. Ça n'existe pas ce mot. Ça n'existe pas ce mot, mais. C'est un néologisme. Eric, oui. Alors, on a juste, je pense, 2 minutes pour finir cette émission. Joël, je ne sais pas s'il y a encore des questions. C'est vrai que la tension, elle est grave montée. Il y a un téléspectateur qui demande comment est-ce qu'Eric voit l'avenir de la musique togolaise. L'avenir de la musique togolaise, je pense qu'on est déjà dans l'avancement. Maintenant, j'exhorte l'État à envoyer le milliard à la culture afin que les artistes aussi puissent bien éclore. Il nous faut le milliard à la culture. Les 300 millions pour le fonds d'aide du développement à la culture, maintenant, c'est avec toutes les réformes que le ministère fait aujourd'hui, si on ne met pas le milliard dans cette culture, les réformes ne serviront à rien. Il faut mettre le milliard. Parce que j'ai rencontré le président le 18 février 2020. Il m'a dit qu'il verra ses techniciens et ils vont travailler. Ça peut être le milliard et plus. Corona est venu tout stopper. Bon, on ne pouvait pas courir parce qu'il fallait aider les gens. Ouais. Et maintenant, Corona est parti, monsieur le président. N'oubliez pas la parole. Et voilà. Et le rap, c'est ça, quoi. C'est l'éthique. Il faut être comme ça. Monsieur le président, l'esprit hip-hop dit, vous nous avez donné une parole, vous devez la respecter, qui est le milliard et plus de la culture. Merci à vous. Merci beaucoup. Joël. Ali Jayz, one for love. Est-ce qu'on peut avoir la lumière, s'il vous plaît? La lumière, bien sûr. On va remettre la lumière, sûr. Les gars. Est-ce qu'on on le fait se lever? Bien, ouais. On met la lumière. Merci. Bien. Joël, debout. Et on va ramener aussi, ceci. Vous avez okay. parlé tout à l'heure d'éthique. Oui. Mais avec le concert, pas le concert, on vous a vu aussi traîner avec le mouvement Bâtir. Vous étiez sur le Carpodium. Oui, vous savez, j'ai travaillé avec l'opposition. Ouais. Bâtir était un mouvement. Ouais. Et de... Donc là, vous étiez dans votre, dans votre peau de DJ. Oui, j'étais de DJ. Et puis quelqu'un est venu nous dire, est-ce que c'est vrai que après ces séances-là, vous êtes allé manger quelque part ensemble avec ceux avec qui vous avez travaillé. Vous avez mais on mangeait ensemble. Tout le temps ensemble. Mais là, mais ils ont dit que vous n'avez pas payé, vous n'avez pas réglé l'addition. Moi, j'ai lu ça sur les réseaux sociaux. Il paraît que Weddy et moi, on a mangé à Imolu Agbana. Et c'est celui qui a raconté ses âneries là. Celui qui a raconté ses âneries qui l'a dit. Lorenzo, tu as ramené la facture. Il paraît que vous avez bien mangé. La facture faisait environ. Là, je suis sérieux parce que je lui ai dit d'amener la facture. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Vous avez mangé quand même quelque part? On a mangé au hangar. Et à Cacavelli, dans le marché de Cacavelli au hangar. Et ça fait 32 000 et vous n'avez pas payé, vous rappelez plusieurs fois, vous n'êtes pas arrivé. Alors là, je vous fais une note, vous allez voir la madame, la directrice, fondatrice du marché de Cacavelli, et vous lui donnez la facture parce qu'on est allé manger mais là-bas. Mais ça fait déjà plus de 2 ans que mais ça fait plus de 2 ans, pourquoi il ne m'a pas cherché jury? Il a dit, il vous a appelé, vous n'avez pas réagi. Il n'a qu'à donner mon numéro. En tête. Allez, vas-y. Non, c'est pas lui. Lui, on l'a envoyé. C'est lui qui nous a amené la facture, Eric MC. Eric, voilà la facture. Eric, c'était pour tester votre vigilance et la patience. Non, c'est un bon gars, c'est un bon gars. C'est la fin de l'émission spéciale Eric MC. Moi.
Ce couloubi le nimenya. Le komabano wenoko. Dot dot dot. Aïe, akula. On toi l'on va l'eau. Enya si banaya, vine jabo miwo. Sine wo so, so, lolon lewo. Ble ble nou. Vivi le veve me asea. No ma yare, yare. Ago ma ilo. On toi l'on va l'eau. On toi l'on va l'eau. On toi l'on va l'eau. Amadin Godoa, Edu Loto Podo, Wetri Godo, Woto Woto Tatuho, Egao Fion, Ewan Hanya Kene, Mebe Maye Diade, Dabo Mia Jagran, Le Ye Gilanti, Le Koma Yeo Yobe, Mi Sapone Kou, Nuswo Besi Kotivo, Yo Aye Le Memla, Rebe Hoshon, El Atronon, Joda Bosne, Loko Nabaso Bane Laba, Me Magousi O, Kosi Wabide Denon, Mino Denon, Abe Sukulu Vikene, Eten Mule O, Tona Tata, Meyina De Sukulu Ha, Kona Tramon, Ide Asya Home, Yene Lola Dalonon Podoko Nabasra, La Seda La Demi Meni La Neta Dasea, La Djeko La Tona Papa La Gaba Pomla, Nga Fole Me Hontuel, L'on va Sukulu Vile. Ah, Liga Alien, Sachi BK, that's the place for joy that I know of. Let me tell you all about it. The source of humanity and the core beauty of nature. With the long-standing jungle forever, balance undisputable. Africa will make your soul dance and forget all your fears. Oh, oh, oh. Africa. Africa. Oh. Dans la diaspora togolaise. Que l'État, par ses services spéciaux, nous aide à asseoir véritablement ce qu'on veut faire. Ça va servir d'exemple aux autres qui sont derrière nous. Première préoccupation, c'est qu'est-ce que je peux faire
au niveau de mon pays pour que les autres aussi en bénéficient. Étant ici, si on peut réaliser des choses au pays qui vont aider les parents, qui vont aider la nation, pourquoi hésiter à le faire? Togo Diaspora, votre magazine sur les Togolais de l'extérieur. Diffusé tous les mercredis à 22h et rediffusé les vendredis à 15h30. Bougez chez vous. Renforcez votre organisme. Retrouvez votre souplesse. Transpirez et gardez l'équilibre. Boostez votre système immunitaire et gagnez en assurance. Gym Impact. Gym Impact, c'est du sport cardio. Un programme relaxo-sportif pour votre bien-être physique et mental. Gym Impact, c'est aussi des conseils nutritionnels et des pensées positives. Participez au programme Gym Impact sur la TVT chaque matin, de lundi à vendredi, de 5h à 5h30 et augmentez votre espérance de vie. Soyez la meilleure version de vous-même. Gym Impact, un programme du ministère des Sports et des Loisirs en collaboration avec le PNUD et le ministère de la Communication et des Médias. Nous avons délocalisé notre émission. Nous sommes à Agnès. Cet entretien porte sur le phénomène de grossesse précoce des filles. Ça persiste toujours. Dans nos établissements, il y en a plusieurs. Il y a manque d'attention envers les enfants. La mauvaise compagnie. Le manque de communication entre les parents et les élèves. Depuis que les garçons m'approchent, si je dis « va aller voir mes parents là », ils s'enfuient en même temps.